Notre neuvième Foire aux Plantes se termine ce soir avec, je pense, un succès très mitigé, mais quand même relativement important vu les conditions météo de ce week-end. Même si le samedi, on a eu vraiment un temps exceptionnel avec un beau soleil. On a battu d'ailleurs des records au niveau affluence ce samedi. Le dimanche, un petit peu moins bien puisqu'il y a eu la pluie. Et c'est vrai que ça n'a pas été vraiment top pour notre manifestation. Mais malgré tout, avec 7500 entrées, je pense qu'on peut être relativement satisfait de notre 9e édition. On espérait un tout petit peu, on espérait beaucoup plus, puisque l'an dernier, on avait approché les 12 000 visiteurs. Mais c'est vrai que les conditions météo n'étaient pas du tout les mêmes. Et l'an prochain, la 10e édition sera, à mon avis, si la météo le permet, beaucoup plus favorable au niveau affluence. Mais malgré tout, je pense qu'on peut être que satisfait. Et nous, c'est un petit peu le baromètre de toutes ces foires aux plantes, puisque c'est la première. Et je pense, après avoir fait un petit sondage, il y a eu quand même un petit peu de business. Avec plus de 110 exposants, notre manifestation reste une des plus importantes de France. Et on a vraiment la fine fleur de tous les exposants, puisqu'on a beaucoup de collectionneurs qui sont parmi nous. Et ça, c'est quand même relativement important et ça situe la qualité de notre manifestation. Les bénévoles ont joué un rôle, un gros rôle dans notre résultat. C'est vrai que mobiliser plus de 40 bénévoles tous les jours, ce n'est pas forcément évident. Mais heureusement qu'ils étaient là et je les remercie du fond du cœur d'avoir été présents pendant ces deux jours. Et c'est vraiment eux qui également sont à féliciter. Je pense qu'on va remercier, pendant qu'on est dans les remerciements, on va remercier également le Baron Thénard qui nous accueille tous les ans gentiment. Remercier également pour l'inauguration d'hier tous les élus qui étaient présents. Remercier également nos partenaires parce qu'il est vrai que sans nos partenaires, on n'aurait pas pu forcément limiter la casse. Voilà, je pense que je donne rendez-vous maintenant à tout le monde pour 2013 où on fêtera notre 10e anniversaire. Et j'espère que cette fois-ci, on aura une météo beaucoup plus favorable.